technology. So my colleague here is Gustav, is using a wrench and a converter. On the top he's got 130 newton, which translates down to 30 newton. Et maintenant il veut montrer que... And now what we're gonna do is we're gonna try to unfasten it. Là, il mesure le couple de serrage manuellement avec la clé dynamo. Là, c'est déjà paramétré dans la machine. Du coup, il n'y a plus besoin d'y réfléchir. Attention, ça va faire du bruit. Là, c'est tout paramétré. Ladies and gentlemen, I was able to do that safely, securely, and most importantly, fast. Now the end user only has to concentrate on the final job. Donc il dit qu'il n'y a pas de retour de couple. No more wires, and most importantly, no more petrol. Sécuritaire le système. Guys, thank you very much for taking the time to listen to me. Behind you, there's some battle stations. We're also here to help you as well. Come take it from follow if you like, and we do. Tu prends ton outil, tu fais le boulot et tu rentres. Bon. Ah ouais? Tu veux essayer? Moi je veux essayer. Je crois pas que c'est demain que je vais me taper un chemin de fer quand même. Donc si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Je peux essayer? Pardonnez-moi, manufacturer, c'est terrible. Yes, so, this here, there's a demo here. On peut positionner pour. Comme ça. Je teste toutes les fonctionnalités, hein, moi, tout de suite. Ok. Oui. Ok. Ça, c'est pour l'accrocher avec un soutien de quoi? To hang. To hang, yeah. Yes. So, we have an example here. Ah, c'est ça. C'est ça. Yeah. That's an example. Ça va, t'es au taquet? Avec la technologie Fuel, c'est la machine qui s'adapte à l'effort? Parce qu'on a dit que la technologie Fuel, en fait, c'est l'IA de la machine. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu fournis, elle balance plus ou moins de puissance, elle s'adapte à ta position et à ton effort. Je voudrais qu'ils me disent, parce qu'en fait, on voit aucun réglage. Donc, il y a une puissance d'origine, et c'est la machine qui gère. So. On the fourth one, it's to the highest torque. That's the smallest torque. And the more you do it, the more it goes up. Là, en position 1, je suis à combien? Et à position 4, je suis à combien? Ça, c'est le couple, je suppose. The twist. What is the torque value? Is there a torque value corresponding to the numbers? We're still up until 4 is when we go up to 2,400 newton meters worth of nut busting. 2,400 newton meters. Là, le dévis. Yeah. Et là, le dévis. Un petit flèche dessus qui a un petit peu sens. Je devrais le mettre en blanc pour qu'on voit bien. Et plus les, plus les boulons sont gros, plus il faut être sur la forte puissance. Donc là, c'est sur le 4. Ok, donc là, j'appuie. Yeah. C'est bon. Trop facile, hein. Il y a de la triche, hein. On va faire l'inverse, alors. Hop. Il y a beaucoup de patates dans la machine. Si je veux pas foirer le pas, est-ce que c'est elle qui s'arrête automatiquement ou c'est moi qui lâche le bouton? Parce qu'avec l'autre machine là-bas, il y a une position qui permet de gérer l'arrêt automatique. Does it stop automatically once it's reached the correct level or no? No, but you can feel it. So our story is when you use the generator, not the generator, the petrol tool, you can't feel it because it's already vibrating too much. Mm. But with the cordless tool, you're much more able to feel it, like all the rest of this. It's like when you put a bolt in your car, you can feel it. Tu peux le sentir, donc elle s'arrête pas tout seul, mais tu peux t'arrêter toi-même. Ouais. Alors que quand c'est filaire, ça vibre tellement que tu ne sens pas et du coup tu as beaucoup de chance de pas. Il y a une technologie anti-TMS là-dedans. Pour les troubles musculo-squelettiques, il y a une technologie anti-vibration dedans. Is there a ACS technology in this?
an AVS, anti-vibration system in this? No, but I think a good thing would be trying to use the petrol one so that it feels absolutely. It's a fair one show. Come with me. Pour comparer. Ah, maintenant, on essaie les thermiques, comme ça on voit le niveau de vibration. I want him to pay exactly. Là, tu vois la différence. Voilà, good idea. Non, c'est question des normatives. On ne peut pas utiliser l'essence. On ne peut pas utiliser dans les locaux l'essence. Voilà. Okay. Dommage, on ne peut pas comparer avec les machines parce qu'en fait, comme on peut comparer la taille déjà, je pense que. On ne peut pas. Je la joue pas, mais là, franchement, regarde. Oh là. Oh, le mec qui manipule ça toute la journée, mon gars. Avec ça, tu vas revivre, mais un truc de malade. Please, mister. Yes. Number du boulonnage 1, 2, 3, 4, 5. You can have with this battery. Ah ouais? Combien how many sockets you can do? Yes. Beaucoup. Depending on the application, it's really hard to say. Ah mais il faut que je compare à une thermique. Le mec il met thermique et puis il met un chargement d'essence. Il fait tant de déboulonnage. Moi en batterie. Sockets, 80 volts. 80. Parce que le mec qui va l'acheter, il veut un comparatif, tu vois. On va laisser. Je vais juste le nom du produit pour mettre un lien sous la vidéo, comme ça ils vont voir la fiche produit. What's the name of the product? It's written on the product. Julie. Yeah. M18 AFHIWF1. Ouah, d'accord, je note ça sous la vidéo, t'inquiète. Next time we will call him for a cool name. That's fine. That's good. Il dit qu'on va te demander pour un name, un nom cool la prochaine fois. Moi je dis Flash Shock. Mais quand on va dans un chantier, les mecs qui sont derrière quelque chose qui donne de la sécurité aux employés et qui fait le boulot. Le nom, franchement, c'est. Après, quand tu veux parler de l'outil sur internet. Les gens, ils mettent des hashtags ou ils mettent des noms. Ouais. Le mec tapera jamais cette référence. Par contre, s'il y a un nom et que les gens se rappellent, quand ils arrivent chez leur commercial, ils disent pas je veux la MH12 machin. Ils disent je veux la Flash Shock. C'est vrai. Et voilà. Prochaine fois. Et c'est gratuit. Ça aussi. C'est offert. Là, on n'y a pas passé. Ok. Non mais c'est cool. Et les gars, c'est le boss Milwaukee France Italie. D'accord, j'ai fait le mec cool mais. Parfait, et donc on l'a organisé d'une telle façon que quand on a tout fini, on pourra essayer la thermique. Yes. Ok, donc il faut que tu restes là toute la nuit. Non, toute la nuit c'est un peu beaucoup. Mais on a organisé. On pourra. Ok, impeccable, okay. Merci beaucoup. Ils sont cool chez Miwok. Allez, à tout à l'heure pour l'essai alors. On va tester le thermique, les gars. Ils ont préparé juste pour moi. Ils sont sympas quand même. Ouais. Je veux sentir les vibrations, je veux sentir vraiment l'utilisation, ce que ça donne. Ah, d'accord, conditions réelles. Ok, grazie. T'enclenche le compteur. Sur le milieu du dos, vibration c'est les avant-bras, et c'est la position qui est super inconfortable, parce qu'en fait c'est pas que le poids et que la vibration, c'est vraiment, c'est on est obligé de se positionner comme ça, c'est pas terrible. Et c'est le même exercice de cette côté avec ceci. Ouais. Par contre on sait jamais si on sert bien ou si on sert mal. Il n'y a pas de truc dynamométrique dessus qui dit je suis à la bonne au bon serrage. C'est dommage, hein, c'est bien, hein. Faudrait qu'il y ait un compteur, celui qui est sur ma clé d'habitude. Mais d'habitude, c'est faudrait qu'il soit dessus, quoi. Tu dois faire l'habitude et qu'après tu vérifies avec ta clé. Ah, mais si l'outil s'était déjà intégré dessus, j'aurais plus besoin de vérifier. Là, ça, je ferais clac, 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 clac. Ah, c'est bon. Ouais. Le jour qu'on a ceci, on a réussi. Ok. Là, c'est bon, là.
Ok. Avant, ça fout pas. Ah, là, faudra gérer le... Ah, mais c'est... Ah, mais, regarde. Je vais me positionner sur le devant. Et comme ça, je pourrais toujours être dessous. Ah, c'est bien la poignée, c'est rapide du coup. Regarde, là, je suis bien. Elle absorbe tous les chocs pour moi. Je force pas. Je peux pas. Donc là, si j'ai un effort au bout d'un moment à compenser, je me change de main, je me positionne. Et il n'y a pas un petit rallonge pour pas que j'ai à me pencher? Le couple, je sais qu'on va en perdre, mais la machine, on sent qu'elle sert plus que celle-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec une petite rallonge, ça devrait le faire. Quoi. Parce que finalement, j'ai plus de serrage. Non mais sérieux, okay. C'est... Ça c'est les douilles, c'est pas la machine. Ah, et puis là j'ai que ça. Et là, si je l'accroche, je fais ce bon, clac, bim, clac, sur une ceinture qu'on accroche là. Ouais. Faut optimiser. Hein. Ça existe pas okay. Encore. Non, mais... non, c'est... Franchement... Good. La SNCF va faire enfin du bénéfice. Il n'y a pas l'odeur aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'odeur. Parce que là déjà on sent... Et le bruit. Et le bruit, il n'y a rien à voir. Parce qu'en fait, c'est qu'au moment où je serre. Et en plus, c'est pas à 20 cm de l'échappement. Non, c'est 20 cm. Non, puis moi, je suis plus à l'aise parce que j'ai pas de position comme ça. Je suis comme ça et je me suis stationné comme ça m'arranger. Là, tu as eu de la chance parce que tu as dû travailler en vertical. Ouais. Maintenant, tu peux le travailler en horizontal, peut-être même pas trop en bas, mais comme ça, tu peux l'air aussi. Ah ouais, il y a du poids. Ouais, j'ai pas avancé. C'est impressionnant quand même. Comment vous arrivez à mettre autant de patates dans une toute petite forme comme ça? Sérieux, regarde. C'est Milwaukee. On les a bien vendus, les gars. Allez, tchuss.